Et re, voilà, re, j'ai arrêté l'enregistrement, en fait, je l'ai repris. Tout simplement parce que pour cette dernière partie, nous ne ferons plus de DKC 2. Mais voilà, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi vous proposer, en fait, ça va être con, hein, c'est con ce que je dis, mais voilà. Mais donc voilà, si vous voulez me casser la gueule sur Fight 4, parce qu'au final, c'est le seul truc que je pourrais faire là maintenant tout de suite. Je ne sais pas quoi du tout d'autre vous proposer, malheureusement, on ne va pas décider d'un nouveau jeu. On ne va pas piffer un jeu et un handicap en speed. Donc voilà, je vous offre la possibilité de venir me bourrer sur Fightcade. Alors, si vous voulez, on peut se donner rendez-vous dans le lobby. Si certains sont chauds, évidemment, on fait 100 FT3. On se croirait chez Karaté. Et alors? Alors que mon Fightcade. Putain, mon Fightcade bug. Mon Fight 4 bug, ça veut dire que je ne pourrai pas y jouer. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi vous proposer. Donc bref, si vous m'entendez et que vous souhaitez me proposer quelque chose, n'hésitez surtout pas. Un jeu, quelque chose. Profitez-en. Si personne ne me propose rien, bah niquez-vous, c'est tout ce que je peux dire. Parce que malheureusement, voilà, on ne sait pas vraiment quoi faire. Je vais pas piffer un jeu que je n'ai pas, qu'il faudrait que je télécharge, tout ça. Donc non, sérieusement, là, je suis... C'est vrai que j'avais pas prévu ce petit cas où je n'aurais pas de jeu à faire. Je m'attendais vraiment à terminer, bah, à la fin. Donc voilà, profitez-en. Sinon, on peut discuter, hein. Évidemment, n'oubliez pas le Google Form. Alors que tout le monde se barre en disant non, on veut pas jouer au jeu de combat, non, surtout pas. Ou sinon, je sais pas quoi vous proposer, franchement là, je. Quoique, un. Ouais, non, Rival School, c'est un. Tu mets la fin de Donkey Kong Country 2 en YouTube et tu fais croire que tu joues. Bon. Je pense qu'on va oublier le Fight Cad. On va oublier cette idée très conne que j'ai eue. Alors attendez, il va falloir que je change un peu le setup si je veux faire ce genre de conneries. Je speedrun Castlevania GBA. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, on va tenter de voir la fin de. La fin de décasser. Par contre, ça nécessite que. Non, 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 j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Je fais un peu de Binding of Isaac, sinon, hein. Non, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Surtout pas de Binding of Isaac, arrête de proposer des idées de merde, Jean. Donc, attendez, est-ce que là, il va falloir... Okuto no Keimu? Non, je... Ah putain, ouais, mais il va falloir faire gaffe, niveau capture. Propriété. Ok, et non, tu ne verras rien. Propri. Non, annulé. Édité. On va la jouer pro, les gars. On va la jouer pro. On va la jouer pro. Ah, tu fais du Binding of Isaac. Non! Tu ne fais pas de Binding of Isaac. On a déjà trop vu aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Bon, on va quitter la ZIC. Donc, Donkey Kong Country 2, True Last Boss. Alors... Voilà, on va faire ça. On a pour 11 minutes. C'est quoi cette qualité de chiasse? Ça de quand cette merde? 6 février 2014, mais putain. Propriété. Capturer une région. Sélectionner une région. Bordel, c'est.
Il va falloir que j'arrive à trouver les limites de la vidéo. On va faire genre c'est moi qui joue. Que j'ai le stick sur les genoux, que je pourrais virer. Mon super Kamba 2.5. Donc je ne sais même pas si on me voit. Ah, si, voilà. Bravo Jean, t'es en train de rouler ça autour. Voilà le Kamba. Qu'est-ce qui. Oh, sa race. Bon, vous l'avez déjà vu le Kamba, hein, évidemment. Bon, ça va par terre. Ouais, bowling. Allez, bowling de bouteille. On va peut-être remonter. Ouais, non, ça va être bon. Ok. Ok. Évidemment. Voilà. Allez. All right, here we go. Hello, Oh non, everybody. mais ta gueule! Welcome to the true final boss, Donkey Kong Oh Country. non, mais ta gueule, je veux un truc true last boss. Oh putain, mais il ouvre sa gueule, merde! Attendez, j'ai une idée, j'ai une idée. Non, non, mais il faut pas montrer ce que je fais, voyons! DKC2 Soundtrack, voilà. Fait un des meilleurs comme Ken Boga. Non, mais on va trouver, on a trouvé, voilà, on a trouvé. La soundtrack de DKC2. Non, non, je passe cette musique. Voilà. Voilà, toi tu dégages bien. Voilà, l'arnaque est prête. C'est parti. Welcome to the final true boss. Bref, donc le crocodile corps, en fait, c'est quand vous avez fait. Alors, je savais comment c'était, mais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est en train de m'expliquer? Qu'est-ce qu'il fait? Bref, en fait, le 102% est simple. Tout simplement, vous devez vous faire tous les petits stages à la con qu'il y a 9 stages, je crois, ou je sais plus combien. Des stages bonus très difficiles, des stages cachés en fait qui vous amènent au 102%. Référence à Donkey Kong Country 1 qui vous permettait de faire un 101%. Plus tard, cela restera une référence à Donkey Kong Country 3 qui fera 103%. Donc voilà le true final boss. Alors il envoie de la merde. Putain, mais il envoie déjà de la merde dès le début. Non, mais 11 minutes et après je bourrerai les pubs. Donc là, esquive, esquive, esquive. Le mec a l'air de s'y connaître, hein. Je crois qu'il a réussi du premier coup. Et donc esquive, 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 alors qu'on a tous les sons du jeu qui donnent. Ah ouais, non, mais je passe. Bon, c'est pas grave, on aura les pires sons. Waouh, waouh, ouais! Ah, c'est chaud en fait ce truc. Vous imaginez faire ça? Moi, faire ça? Ouais, le Dame de Pique en versus. Waouh, alors il a pris un dégât. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il va mourir en fait? C'est ça ma question. Waouh, ok, c'est chaud, hein. En fait, si vous perdez Dixil dès le début, c'est la merde. Oui, mais tu l'as fait, mais Dio, tu n'es pas humain, tu es allé au Japon. Tu n'es plus considéré comme humain, Wodotus. Donc là, le boulet, toujours. Là, il va faire son aspiratron. Ah, ok. Et là, tu as une pièce d'éca, déjà c'est bien. Ah ouais, non, il saute en fait. Et il atterrit dans le cœur. Dans le crocodile core. Core. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Grande question, hein. Oui, ça t'inverse. Ah oui, ça t'inverse les commandes, d'accord. Comment ça? En fait, il y avait juste un coup à lui donner? Duo, t'es pas sérieux, un seul coup de merde. Sérieusement, me dis pas que c'est juste ça la fin du jeu. Non, mais c'est juste ce passage. Bon, après, c'est un peu dur, mais. Oh, mais sérieusement, le vrai boss de fin, mais il est pourri. Non, je dis ça, je serais déjà mort 25 fois rien que pour esquiver. Bref. Et donc ça c'est la vraie fin avec l'île qui passe. Oui, j'ai vu Face de l'Enfer, le cœur, le crocodile corps avec un K
qui explose, un bateau qui se barre avec sûrement King Carol. King Carol. Au loin, ou qui tombe, je ne sais pas qui se fait submerger, sûrement. Donc c'est juste ça la fin, bon. Je sais même pas combien de temps ça... je vais avoir une dernière partie de l'enfer. Il est en train de parler du con ou pas? Wow, it really just... Ok, en fait il... Ok, en gros c'est juste ça la fin du jeu. C'est de la merde. Là ça va bien là. Là par contre ça va bien, on a pile la bonne musique. Non j'y connais. Et donc le mec l'a fini à 102%. Bah GG à lui hein. Putain on va se faire chier en fait jusqu'à la fin. D'accord, bon bah si c'est ça, si là on va dire qu'il a terminé, donc on va cacher ça. Bon. Non, j'ai pas bourré Fight Cad au final, là on est... Je vais terminer le stream un peu plus tôt que prévu, c'est pas grave, de toute façon les Angouennes n'est pas là. Ce soir, il n'est pas prévu sur le stream. Donc au final, c'est pas plus mal si je peux terminer un chouïa plus tôt aujourd'hui. À mon niveau, personnellement, ça sera pas plus mal parce que je suis cassé en 25. Je suis décassé 2. Oh la blague de merde. Blague de chiasse. Donc... Oui, sa nouvelle carte de capture, je sais, il est... je crois qu'il allait s'informer. Donc bah voilà, fin de stream. Bon, fin de stream, pas encore. Évidemment, je vais vous rebourrer une dernière fois parce que je reste très con. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des jeux à proposer, des trucs comme ça, on va quand même aller checker les jeux que vous auriez peut-être proposés. Ah, j'ai eu des propositions, qu'est-ce que j'ai... Alors, je tiens à regarder un petit peu... Waouh ! Waouh ! Trop de propositions, les gars. Oh, putain. Attendez, on va faire un truc. Peut-être monter un petit peu l'écartement. On va faire ça. Voilà. Tac, 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 il est où, il est où ? Voilà. Voilà, retour automatique à la ligne. Centré. Il est fou lui. Ah merde. Attendez, juste pour ça. Pour ça en fait, faut pas que j'active le retour automatique à la ligne. Donc je laisse dépasser. Comme ça je peux le retravailler. Attendez, on va faire ça là. Voilà. Vous ne verrez pas ce qui se passe, mais vous l'entendrez. Ah, après à la limite, si tu n'as pas d'handicap, Dieu, on peut voir ça. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas d'idée d'handicap, limite. Attends, voilà, c'est bon. On va revenir un peu en arrière. Voilà. Ah là, c'est plus propre tout d'un coup. Alors, le problème c'est que j'ai perdu le F. Putain, j'ai perdu le F. Voilà. Ok. Donc nous avons quelques propositions. Bah Dieu, si voilà, réfléchis-y, tu as le temps. Il ne faut pas oublier que vous avez quand même quelques jours avant le prochain stream. Donc qu'est-ce qu'on me propose? Donc on m'a proposé du Dark Souls sur PC. Du Super Mario World sur Super NES, du Road Rash 3D, oh merde,
MechWarrior sur Super Nintendo et Fix Jeune Homme toujours prêt à proposer des jeux de merde. Non, non, je rigole. Du décassé, du Donkey Kong. Alors, pour la personne qui... Évidemment, je tiens à préciser, quand vous proposez des jeux, n'oubliez pas de préciser la plateforme. Donc, est-ce que les gens qui m'auraient proposé... Alors, Taléchi, si tu es toujours sur le chat, est-ce que tu pourrais me dire quelle est la plateforme de Donkey Kong 3 ? Je ne sais pas si c'est Donkey Kong Country 3 ou Donkey Kong 3. Et Super Mario World 2, alors je suppose qu'il est sur SNES. Je suppose après, hein. Et Donkey Kong 3 peut-être aussi, mais ça faut... D'accord, donc Super Mario World 2... Il est sur quoi, Super Mario World 2, les gens? Parce que s'il est sur DS, s'il est sur 3DS, je l'ai pas, hein. Mais donc, D4, Donkey Kong 3... Des bons petits jeux, hein. MechWarrior. Ah ok, c'est Yoshi's Island. Donc c'est sur SNES. Des hommages à Mux. Et Donkey Kong 3, si on pourrait me préciser la console, s'il vous plaît. Alors pas de handicap proposé. Merci aussi pour ceux qui ont fait des commentaires pour l'émission à la fin. Ça fait très plaisir. Ouais. MechWarrior, mais... Bah, Mi88, si tu as Rayman 1 en tête, n'hésite pas à le proposer là. Là, propose-le là. C'est pas un lien de merde, hein. c'est le streamer qui te le propose. Mais bon, merci à vous pour ceux qui ont SNES. Ah voilà, merci. Merci donc. Je préférais demander précision pour DK3. DKC3. Après, Dio, tu peux proposer des jeux s'il le faut. Si tu n'as pas d'handicap, ce n'est pas grave, hein. Je veux dire, par exemple, on m'a proposé des KC3, on m'a pas proposé de handicap. Mais ça, c'est pas grave. Après, ça peut se faire avec le temps. Donc, propose les jeux que tu as à proposer. Si tu trouves pas de handicap, bah merde, hein, je les trouverai moi-même. Voilà. Et merde, j'ai fait tomber du coup. Ah, j'ai fait tomber de la boisson. Mais donc, voilà, comme je précisais, pourquoi je vous propose ça? Est-ce que c'est parce que je suis en manque d'idées? Un peu. Non, la vraie raison de pourquoi je me permets de vous proposer... pourquoi je vous laisse l'opportunité ultime de proposer des défis et autres. Tout simplement parce que, de base, vous choisissez le jeu et vous choisissez le handicap. Le jeu, je dis pas, hein, il y en a déjà 2/3 que j'ai choisi moi-même. Mais vous choisissez les handicaps, donc je veux dire, autant vous faire participer au maximum. C'est vrai qu'on est plus là pour que ce soit le viewer qui choisisse que le streamer. Le streamer, il se retrouve à subir, un peu comme dans Console Mania ou comme dans Retro Achiever. Mais voilà. Par contre, ça, faudrait peut-être que je commence aussi le nom du jeu, terminé, de moi, nom du jeu, handicap, note du jeu... avis sur le handicap à refaire, oui, non, jamais. Non, bon, on va vite faire recheck. Ah, ben voilà, merci, Dio. Merci, Dio. T'es vraiment le pire, mais voilà. Évidemment, merci pour tous ceux qui ont donné leur les jeux, même si vous n'avez pas donné de handicap, ceux qui ont donné aussi avec les handicaps. Vos noms seront disposés quelque part, sûrement j'essaierai de voir pour lequel est en dessous du handicap no stream, genre proposé par et le pseudo, votre pseudo. Ou entre juste en dessous Donkey Kong Country 2 par exemple, entre parenthèses, comme pour l'explication du handicap. Calme-toi, c'est un jeu de... Non, je parlais pour le handicap. Le premier handicap, Dio. Quoi, Donkey Kong Game Boy, tu joues Mario? Ah, c'est peut-être l'adaptation du Donkey Kong sur du Donkey Kong arcade sur les petites voilà. Il vous fallait de la pile plate qu'évidemment vous n'aviez jamais et vous retrouviez à jamais jouer. Jouer sans lunettes. Je tiens à rappeler que je suis myope, mais je ne suis pas aveugle. Quoique merde en fait si.
Oh, ça va être chaud, je vais juste voir les formes. Alors par contre, Mi, vu que tu m'as déjà proposé, ce que je ferais, c'est que je vais juste l'ajouter, voilà. Comme ça, toute cette ligne, en fait, je peux la supprimer. Donc, Super Mario World 2, c'est pareil. Voilà. Moi, ça sera plus propre. Oui, voilà, l'évolution de Donkey Kong Arcade, j'ai vu. Et merci, Mi, d'avoir envoyé un handicap. C'est vrai que je l'ai mis avec déjà ce que tu m'as proposé. Évidemment, si vous avez 257 handicaps pour un jeu, bah vous faites 4 par 4. Oh non, oh, ça a l'air moche. Duo, s'il te plaît, respecte un peu le connard, la raclure, le streamer, quand tu fais ça. D'accord, merci Duo. Par contre, c'est vrai que c'est dommage, ça me fait un écart. Bon, c'est pas grave, ça, à la limite, si j'ai un petit écart à chaque fois que je supprime une ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment bah, réfléchir bien comme il faut. Évidemment, bon bah ça va être la fin du stream, beaucoup de discussions. Bah, si vous avez des avis sur ce stream, n'hésitez pas à me les donner. Toujours encore, comme le dit le Gaming Life Bot, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @jindessw. Non, c'est pas Nescafé les gens, hein. C'est une boisson que je mets dedans, mais c'est pas du café à cette heure-ci, vous êtes fous. Même si c'est une tasse Sonic, hein, hommage à Lord GE2. Mais voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter. Mon Twitch, ne le suivez pas pour l'instant. Je ne stream plus dessus. Je streamerai sûrement sur ma chaîne perso Gaming Live quand je l'aurai. C'est-à-dire, j'espère, dans moins d'un mois. Non, mais ça sera directement sur... je streamerai... Je doute de streamer dessus avant d'avoir la chaîne perso GL. Pour le pognon, les subscribes, mais bon, là, on s'en fout. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être informé des différents streams. Ah! Le Tenchu de Gio que j'ai téléchargé en plus déjà, hein, je tiens à le préciser. Et le hashtag HNSGL si vous voulez raconter de la merde. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Bah, vous me retrouvez lundi prochain de 19h à 21h. Je serai sur les genoux, mais je serai là. Et puis, voilà. Sur ce, je rebalance une dernière fois Talin sans race. Merde. C'est le mauvais copier-coller. Comme un sans race, le petit raccourcisseur Google pour le formulaire. Et puis voilà, quoi. Ça fait quand même, ouais, 9 jeux avec des handicaps. 9 jeux plus handicap. C'est propre. Par contre, MechWarrior, je suis désolé, mais il faut que j'aille regarder ce que m'a proposé FX Jeune Homme, parce que MechWarrior, pour moi, c'est la saloperie auquel jouait Sapin. Alors, évidemment, MechWarrior sur SNES. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh, ça a l'air craqué! Une petite évo... Attends, faut que j'aille voir ce qu'à quoi ressemble MechWarrior 2. Non, je ne stream pas souvent, désolé, mais c'est ça va changer hein, quand j'aurai la chaîne perso. Quand j'aurai peut-être une autre émission sur la Gaming Live, il faudra que je voie avec les autorités compétentes. Night Trap. Allez, handicap de langue. Évidemment, les handicaps de langue, on peut les ajouter, je pense. Hein. On peut faire handicap de langue plus vrai handicap. Mais MechWarrior déjà. Alors, MechWarrior, par contre, il faudrait que je vois si le 3 n'est pas sorti sur PS1. Non, c'est pas lui. Mais il y a des jeux comme ça à l'époque que vous aviez dans les démos PS2 qui étaient des MechWarrior-like. Et je l'ai trouvé craqué. C'est quoi Night Trap sur Mega CD? Oh non! Oh non! Pas ça! Tout mais pas ça! Je vois ce que c'est. Oh le jeu de merde! En plus en full motion vidéo. C'est le jeu où tu vas de pièce en pièce et c'est la merde. Ah ouais, mais c'est bon, je sais plus qui avait streamé dessus. C'est de la chiasse. Enfin bon. Bah merci à tous d'être venus. On se retrouve donc lundi prochain.
Putain, je suis assez loin, ça fait plaisir, mais un petit fond vert et là je passe en mode full commando. Bah voilà, donc DKC2 c'est terminé, on se retrouve lundi prochain, il y aura un Stropole dans la semaine, qui sera sûrement, je ferai en sorte d'être que ça soit retweeté par GL. Pour justement le prochain jeu qui sera choisi, et de ce fait, bah, je tafferai sur les handicaps, en plus de ceux que vous m'avez proposés. Évidemment, ben, j'essaierai de prendre des jeux de styles différents. Normalement, c'est trois jeux que vous me proposez et un jeu de mon propre cru. Et on verra lequel sera choisi. Sachant que là, on a fait quoi? On a fait jeu d'action, jeu de plateforme, je veux dire, platformer, jeu de baston et Metroidvania, c'est-à-dire RPG et tout. Les jeux longs, on va peut-être les. Si vous avez des jeux longs en tête, on verra. Mais ça sera peut-être à éviter. À éviter. Mais c'est vrai quoi, tout ce qui est RPG assez long, j'ai peur qu'on ne puisse pas, à moins que je m'occupe des phases de farm offline, ce qui peut être possible aussi, hein, je peux le faire. Mais proposer tout et n'importe quoi, Sonic CD. Ah, mais les pi. Dio, il est en train de me proposer la pire chiasse du monde, il me sort Sonic CD, les gars. Bon, après, je sais que c'est sur Mega CD, toi. N'oubliez jamais de préciser la console au cas où. Gotago Fast Sonic. Bref, voilà, sur ce, petite conclusion. Merci à tous d'être venus. DKC2, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour du mystère. Je ferai le petit Google Doc spécialement prévu pour mon avis sur les jeux et la notation que je ferai parce que bah, ça, la mode. Ah, Sonic CD est très bien, mais après, tes défis, c'est de la merde. C'est les pires défis du monde, je trouve. Surtout les deux derniers. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, des bisous à tous, merci d'être venus. Sur la TVU, nous avons Mizu sur. Chasse-moi si tu peux, pas chasse-moi si tu peux, mais. Si, c'est ça, chasse-moi si tu peux sur Monster Hunter 4 Ultimate. Ultimate Turbo Revival Millennium EX UM, Ultimate Millennium Edition. Sur la TV3, nous avons Made in France par Raph et je crois. Je sais jamais si c'est Raph, parce que c'est vrai que je prends jamais le temps de regarder. Et sur la TV3 et sur la TV1, après à 22h, nous avons le groupe AK Monsieur Karaté pour Fallout 3. Voilà. Et sur cette musique merveilleuse du serpent qui saute sur un bateau, nous nous laissons bonne soirée à tous. Et surtout, Hokuto, Yakuretsuki. Et surtout, voilà, profitez bien des jeux, bonne soirée à vous. Des bisous.